Because the way of faith. Passer devant un péché. Dying in front of preach. Ne fait pas de moi grand. Doesn't make me great. Non. No. Le plus grand. The most great. C'est celui qui est un enfant. Devant Dieu. Before God. Un enfant obéit à son père. L'enfant fait la volonté de son père. The child does the will of the father. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer dimanche. We shall continue on Sunday. D'avancer les mots, non? Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Oh Jésus. Je veux être comme Jésus. Dans toute ma vie. Être comme Jésus. Chantons dans ma maison. Être comme Jésus. Alléluia. Être comme Jésus. Oh Jésus. Je veux être comme Jésus. Dans toute ma vie. Être comme Jésus. Moi, je vais parler, comme Jésus. Alléluia, parler comme Jésus. Oh Jésus, je vais parler comme Jésus. Dans toute ma vie, parler comme Jésus. Oui, je veux marcher, marcher comme Jésus. Alléluia, marcher comme Jésus. Oui, Jésus, je veux marcher comme Jésus. Dans toute ma vie, marcher. Que chacun parle à Dieu maintenant. Nous avons chanté maintenant. Je veux marcher comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Je veux aimer comme Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus est ici. Il ne parle pas en vain. S'il dit quelque chose, c'est parce qu'il veut que toi, tu puisses écouter et que tu mettes la chose en ordre. Il est plus tard que nous le pensons. Jésus revient bientôt. Si vous lisez cette prédication sur la seconde venue de Christ, l'idée qui est transmise dans cette prédication, ce n'est pas l'idée que nous avons pour commencer à discuter afin de ne pas inutile. L'idée qui est dans ceci, Dieu veut nous amener à comprendre qu'il est plus tard que nous le pensons. S'il y a quelque chose à dire dans la concernant la seconde venue de Christ, c'est de se poser la question: est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis préparé? S'il vient aujourd'hui, irai-je avec lui? Viendra-t-il me chercher? Viendra-t-il me prendre? Frère, il est plus tard que nous le pensons. La décision, il faut la prendre maintenant. Oui, les gens disent, demain t'appartient. Moi, je te dis que la Bible dit, ne te glorifie pas du lendemain. Quand le lendemain appartient à l'Éternel, les hommes te diront, au capi à lui fidèle. C'est ce que disent les fumeurs. Moi, je te dis, que cette cigarette-là te tournera le cancer de foie. Cette cancer-là te tuera
et la cigarette continuera à tuer les autres. Ça ne changera rien en toi. Prends la décision. Si tu prends la décision, Dieu t'étendra sa main. Parce que nous apprenons à marcher. Et Dieu est notre Père. Un enfant qui apprend à marcher, il peut lui arriver de tomber. Et s'il tombe, un bon parent ne vient pas avec le fouet, ne vient pas avec la chicote, il vient avec amour pour te tendre la main et te demander de faire le second pas. Oui, fais le second pas. Relève-toi. Examine ta relation avec Dieu. Comment était l'année 2023? Tu t'es chamaillé avec les gens. Tu as critiqué les gens. Tu as parlé mal des gens. Tu as menti. Tu as volé. Tu t'es prostitué. Tout ce que tu as à faire. Dieu a ses bras ouverts. Largement ouvert pour te recevoir. C'est comme nous chantons. Je te rends loin de ta face. Je te rends. Je t'ai perdu loin de la face. Mais maintenant je reviens. Ouvre tes larges bras d'amour. Ouvre tes larges bras d'amour. Je reviens, Seigneur. Je reviens, Seigneur. Reçois-moi. Et Dieu te recevra. Dieu ne déçoit pas ceux qui viennent à lui. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. À celui qui ouvre, j'entre. Est-ce que tu peux lui ouvrir ton cœur? Même si tu me suis en ligne ou sur Internet, peut-être que tu souffres. Peut-être que tu as un problème parce que tu as eu un péché quelque part. Répands-toi. Mets la chose en ordre. Seigneur, ouvrirai largement tes bras pour te recevoir, pour te conduire, pour te parler. Son amour est le même. Si l'on dit que Jésus ne change pas, dans l'amour il ne change pas, dans la paix il ne change pas, dans la conduite il ne change pas, dans la bénédiction il ne change pas. Il est ici ce soir. Il t'aime. Il voudrait marcher avec toi. Il te tend sa main pour que tu le tiennes et que tu marches avec lui. Oui, mon frère, ma soeur, quelle joie d'avoir Jésus comme père. Quelle joie d'avoir Jésus comme parent. Quelle joie d'avoir Jésus comme un consolateur. Il est ici, mon frère. Il est ici, ma soeur, pour te guider. Pour te guider, pour te répondre, pour te bénir, pour résoudre ton problème. Pendant que je remercie Jésus, on appelle le frère Ben pour qu'il vienne prier pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Heavenly Father, te disons merci. We thank you pour ta parole que tu nous as donnée. For the word you have given to us tonight. Te disons merci. We thank you de nous avoir parlé de la guerre. For talking to us for the heart. Comme dans tous les business, tes because hommes. In all the men business or enterprises. À chaque fois qu'ils arrivent à la fin du mois. Every time they arrive to the end of the month. Ils ont l'habitude de faire l'inventaire. They have the time to do a budget list or check out. Ou à la fin de chaque année. Or at the end of every year. Ils font l'inventaire. They do a check out of their business. Et nous aussi dans le naturel. And also as a natural. Nous devons faire aussi notre
inventaire. We have to do a check-up. Dans le naturel comme dans le spirituel. Also the same in spirit. Nous avons vu dans la Bible. We saw in the Bible. Josué. Joshua. Après avoir passé un temps au guerre. After spending a time in the war. Dans ses soldats. With his soldiers, il s'est mis, il a fait l'inventaire. He came and he did to pour savoir ce qui n'a pas marché. To understand what didn't go well. Nous avons vu Moïse. He saw Moses. Après avoir tourné. After turning. Plusieurs fois la montagne. So a lot of times the mountain. Sans atteindre la destination. Reaching the destination. Il s'est arrêté pour faire l'inventaire. And he did the inventory. Pour savoir pourquoi il n'arrive pas à atteindre la destination. To know why he didn't arrive to reach the destination. Nous avons vu Job. Monsieur Charles, après avoir souffert, after suffering, pouvait se mettre là, pour stay there, pour faire l'inventaire, to do the inventory. Le même monde est tout puissant. The mind of the world. Nous avons passé les hauts et les bas. We shall go up to do the ups and downs. Nous avons passé, nous traversons des moments difficiles. We shall go through difficult times. Nous avons chacun des épreuves. We have a different. Aide-nous de tout puissant, Père Céleste, à faire l'inventaire. Help us, Heavenly Father, to do the inventory. Pour savoir là où nous avons mal marché. We know we're here because we walked là où nous sommes tombés. Where we fell. Pour connaître là où nous avons commis des erreurs. Where we did mistakes. Afin de pouvoir reprendre le chemin. For us to take the way. Père Céleste, ne nous abandonne pas. Lord, do not abandon us. Tiens-nous par ta main puissante. Hold us with your hand. Car c'est toi notre berger. Because it's you, our shepherd. Nous sommes tes brebis. And we are the sheep. Nous voulons que tu puisses nous conduire. We want you to guide us. Nous voulons que tu puisses nous ramener. We want you to bring us back. Au droit chemin. To the right path. Conduis chacun de nous, Père. Guide everyone of us. Afin que nous puissions reprendre et vivre une vie digne. So we can live a holy life. Que nous puissions vivre une vie qui te glorifie. So we can live a life that glorifies you. Au nom béni puissant du Seigneur Jésus. In the blessed name of Jesus Christ. Bénis chacun de nous. Bless everyone of us. Bénis la présence de chaque frère. Bless the presence of every brother. Bénis la présence de chaque sœur. Bless the presence of every sister. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bless your servant that you used today. Bless que ta bénédiction puisse tomber sur chacun de nous. Blessings fall upon every one of us. Que nos vies puissent te glorifier. May our lives glorify you. Que nos âmes puissent te glorifier. And our souls glorify you. Au nom béni puissant Seigneur Jésus. In the blessed name of Jesus Christ. Bénis les offrandes que nous allons prélever. Bless the offering that we shall get. Bénis notre retour. Bless our return. Dans le nom béni puissant Seigneur Jésus. In the blessed name of Jesus Christ. Nous avons ainsi demandé. We have sincerely asked. Et nous disons Amen. And we say Amen. Amen. Le panier passe. The basket passe. Okay. My brother, I forgot to give you this. Yeah? After church, just remind me. Books, after church, okay. Okay, somebody want to find the other kid to over here. We are the end of our service, we shall greet each other. Venez le dimanche à temps, s'il vous plaît. Time to church any on Sunday. La prédication paraît longue. The predication is seems very long. Si vous venez à temps, on peut finir. L'heure de lui, c'est 10 heures. And normally it's 10 o'clock. Parce que le prophète dit, arriver 30 minutes avant le prédication. Arrive 30 minutes before the service of church. En Jésus, c'est à 10h30 que le prédicateur, le conducteur monte à la chair. Pour qu'en principe le prédicateur monte à 11h juste ou 5. The priest must go on to the outside at 11. Mais nous commençons à monter Dieu de la chair à 12h. And we start going on top of the outside. 12h ou les quarts. Past 12. Ce sont les mauvaises habitudes qui semblent devenir normales. That seem to become normal. Et en tant que fils de Dieu, luttons pour changer cette habitude qui est devenue une addiction, une dépendance qui s'attache à nous. Faisons violence, parlons la route au diable et voyons les choses autrement. Que le Seigneur vous bénisse, on se rend à l'extérieur.